est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a vécu une journée historique pour l'e-sport en Belgique? Oui, je pense qu'on a vraiment vécu une journée historique dans le sens où on a enfin maintenant une reconnaissance en Belgique de l'e-sport, là où il en manquait énormément avant. On peut vraiment dire que maintenant l'e-sport en Belgique est en plein boom et on est enfin en marche. Je pense que c'est la première alternative crédible qu'on a en Belgique au niveau e-sportif. Ça va nous permettre d'ouvrir en fait le sport électronique au grand public à travers les initiatives de Proximus, que ce soit leur chaîne, que ce soit leur futur tournoi. Donc c'est vraiment un premier pas vers le professionnalisme et la professionnalisation de l'e-sport en Belgique. ESL is een gekende partner in de Benelux. Ze hebben eigenlijk de competitie op dit moment in de Benelux als het gaat over e-sports in de verschillende games waar dat Proximus nu een stap gaat zetten. Dus ik denk dat het een perfecte keuze is. Ik denk qua populariteit dat het zeker zijn invloed zal hebben. Het zal meer naar voren komen. Zij zullen ook mee ondersteunen in de mediatisering en dergelijke meer. En ik denk dat voor iedere partij die betrokken is in e-sports wel heel belangrijk is. Ik denk dat het vooral een katalysator kan zijn. Kan als katalysator werken voor heel wat mensen die die stap willen wagen, maar niet zo goed weten hoe of wat. Die nu toch de stap durven wagen dat ze zeggen van ja, kijk, Proximus durft het en kan het, dan gaan wij dat ook wel doen. En vooral denk ik dat de mensen die al zoveel jaren passioneel en als hobby met e-sports bezig zijn, de kans gaan krijgen om er nog net iets meer mee te doen. Ça fait des années qu'on attend ça. On voyait ça chez nos voisins français, allemands, on voyait ça un peu partout. La Belgique était un peu en retard, alors on se demandait quand ça allait arriver, de quel côté ça allait arriver de la frontière. Et au final, aujourd'hui, c'est Proximus qui va essayer de fédérer toute la Belgique, toute la scène e-sportive belge, pas seulement le nord ou le sud du pays, c'est vraiment toute la Belgique. Et ouais, bien sûr, on attendait ça depuis des années. Ça fait vraiment plaisir de voir des grandes marques comme Proximus s'investir, mais s'investir non pas de manière directe, mais de venir vraiment épauler les gamers et développer le côté e-sport en Belgique. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment un achievement. Les talents en Belgique, il y en a toujours eu. Le souci qu'il y a toujours eu en Belgique, par contre, c'était de garder ces talents sur le sol belge. On a vu beaucoup de joueurs belges partir à l'étranger, en Europe, voire aux États-Unis, et voir des partenaires importants aujourd'hui s'intéresser sérieusement et s'investir durablement dans l'e-sport, je pense que ça ne peut que faire du bien à la scène belge et c'est de très très bon augure pour la suite.